je bénis le Seigneur parce qu'il m'a doublement béni. J'ai béni le Dieu que je sers, le Dieu que j'ai pris. Il a changé mon statut en 2019. Amen. Ça, c'est ma toute première bénédiction. Et la deuxième, pas besoin de le dire. Tout ça se voit. Le voit. Raison pour laquelle je bénis mon Dieu. Amen. Sans plus tarder, nous levons. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Le Tikali à côté, les matins, pasteur Jean-Félix, Azopoussana, tout bête et l'inzambe ma boque. Alléluia, 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 alléluia. Dieu est bon, restez debout s'il vous plaît. Les chantes vont chanter, glorifier Dieu. Nous allons encore élever Dieu. Nous allons élever. Voyez combien Dieu est bon. Il t'a donné, il m'a donné le souffle de vie. Je vois, je réalise la bonté de l'Éternel ce soir. J'aimerais que nous fassions ensemble, vous et moi, réaliser la bonté de l'Éternel. Quelqu'un est parti ce matin, mais Dieu t'a fait grâce, Dieu nous a fait grâce encore d'être parmi les vivants. Mon soupir, mon souffle te loue. Mon cœur te glorifie. Ma vie te loue. Je te loue. Je n'ai rien à te donner si ce n'est pas seulement t'adorer. Reçois la gloire. Reçois la gloire. La gloire t'appartient. La gloire t'appartient. Mes pensées te louent. Ma pauvreté te loue. Ma richesse te loue. Ma paix te loue. Ma paix te loue. Ma tranquillité te loue. Tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Tu mérites plus que les rois. Tu mérites plus que les rois. Tu mérites. Il n'y a que toi. Tu as vaincu, c'est pour cela que tu mérites. Oh, ta liberté, Kéchabra. Oh, ta je vois ta bonté. Je vois ta bonté. Je vois ta bonté. Je vois ta bonté. Je ressens ta bonté. Je ressens ta bonté. Reçois, 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 reçois la gloire. Reçois. Reçois, reçois, reçois. Reçois la gloire, reçois la gloire. Reçois, reçois. Reçois, 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 reçois. Reçois, reçois, reçois la gloire. Reçois la louange. Reçois l'adoration. Tibéri, reçois, reçois. Reçois la gloire. Rora que cachebre teke 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 ra. Ta cachabra kama teke rebetata. Roko teka ika kaba shaba. Teke teke ra kaukaba shete kereka. Ta ka ika koka ika iye. Meka ratatata.
Alléluia. Laisse-moi te dire que quelqu'un a voulu l'adorer aujourd'hui, mais il n'est pas en vie. Vous savez, et chaque jour que Dieu nous donne l'opportunité, et quand Esaïe a vu le ciel s'ouvrir, il a vu les anges les plus puissants, les chérubins, entrer d'adorer. Et ils étaient même incapables de dévoiler leur face devant sa présence. Alléluia. Vous savez, j'ai entendu quelque chose. Si j'ai connu Jésus-Christ, si je suis chrétien, la raison d'être chrétien, c'est pour rien que pour l'adorer. Alléluia. Dommage pour celui qui a, pour moi, je dis dommage pour celui qui a qui reçoit Jésus aujourd'hui et il meurt après 10 minutes. Parce qu'ici-bas, il n'a pas eu l'opportunité de l'adorer. Mais toi, sois béni parce que tu l'as reçu. Et tu dois l'adorer. Tu dois le célébrer. Tu dois proclamer ce qu'il est pour toi. Pourquoi j'ai dit dommage? Au ciel, nous allons encore l'adorer.
nous allons encore, encore l'adorer. Donc, c'est très important. Et quand, dans les moments pareils, ne sois pas distrait. Oublie réellement ce que tu es. Oublie ta capacité, ta personne. Adore Dieu. Alléluia. Et quand tu adores, exploite la liberté d'entrer en contact avec ton Dieu, avec ton Sauveur. Alléluia. Et si nous allons l'adorer, l'adoration bouge le trône de Dieu. Alléluia. Non, il y a une façon. Quand des gens chantent quelque part, quand les gens adorent quelque part, Dieu doit regarder qui est en train d'adorer. C'est papa et maman qui est en train d'adorer. C'est maman qui est en train d'adorer. Dieu va regarder en disant, maman Audrey est en train d'adorer. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des fois, quand je vois qu'on est arrivé aujourd'hui, si ce n'était pas par la grâce de Dieu, moi je ne devais pas arriver. Peut-être toi. Alléluia. Peut-être toi. Moi, si ce n'était pas par la grâce de Dieu, je n'allais pas arriver. Vous savez, dans notre cœur, dans notre vie, Dieu nous donne la paix, la tranquillité. Et lorsqu'on dort, on ne sait même pas si on est en Europe, si quelqu'un dort réellement. Et tu ne sais même pas si tu as des enfants. Tu ne sais même pas si tu es pauvre ou riche. Tu ne sais même pas si tu as des papiers ou pas. Tu ne sais même pas si tu as l'argent ou pas. C'est quand on se réveille qu'on se rend compte que non, on est toujours en Europe. J'ai mes enfants, j'ai tout ce que j'ai. Alléluia. L'Éternel est bon. Quelqu'un peut dire gloire à Dieu. Nous parlons des choses permanentes dans la vie chrétienne. Pour ceux qui n'étaient pas là, qui n'étaient pas là le dimanche passé, parce que je vais récapituler rapidement. Oui, que Dieu te bénisse. Que Dieu soit loué. Donc je vais récapituler rapidement. Des choses permanentes dans la vie chrétienne. Lorsque nous parlons des permanents, nous avons appris, nous devons, comme nous avons dit l'autre jour, nous devons retenir au moins trois choses. Donc, c'est-à-dire, les trois choses que nous avons rappelées, nous avons dit, c'était fragile, oui, j'étais pas là, tu n'es pas là, tu n'étais pas là, d'accord, c'est pas grave. Rappelle-moi. Maman Gloria a essayé de jeter un coup d'œil, que Dieu te bénisse, alléluia. Donc, c'est-à-dire, permanent, éphémère et fragile. Et dans ces choses-là, dans ces deux, trois principes-là, nous avons appris qu'en réalité, l'homme que nous sommes fragiles. Depuis que l'homme a péché, Dieu, par sa parole, il a déclaré, renvoyer l'homme à l'état initial. L'état initial, en réalité, l'homme, c'est la poussière. La Bible dit, au moment de la création, Dieu a pris l'homme, il forma, il souffla, et l'homme est devenu un être vivant. Alléluia. L'homme est composé de... Pardon, mon frère? Non. Que Dieu te bénisse. Mogui, notre personne? Amen. Ma sœur, que Dieu te bénisse. L'homme est composé de corps, âme et esprit. Et nous avons appris que et dans ce que nous sommes, étant donné que l'homme est fragile, il y a aussi éphémère. Éphémère, cela veut dire quoi? Quelque chose qui existe aujourd'hui, demain ne peut ou ne pas exister. Or, nous avons vu aussi que la terre est éphémère. Donc, toute chose qui a un commencement a aussi une fin. Alléluia. Et on a traité plusieurs points. Et dans les permanents, dans les choses, dans les réalités qui devaient, dans la vie chrétienne qui devait être permanente, la provision divine. Donc, l'homme devait avoir la provision. Pour aller plus loin avec Dieu, il faut avoir la provision. Et la nourriture spirituelle, l'homme. Comme Jésus a répondu au diable, que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et les œuvres spirituelles. Nous sommes arrêtés au niveau des œuvres spirituelles, si je m'abuse. Je pense que c'est ça, non? Lorsque nous parlons de la vie chrétienne, nous devons se rendre compte. Lorsqu'on accepte Jésus, il y a des principes. Nous avons appris la fois dernière que Dieu
nous a donné Jésus-Christ afin que quiconque croit à lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le plus grand intérêt de la foi chrétienne ou le plus grand intérêt de Jésus-Christ de venir ici-bas, c'était qu'il était venu pour sauver l'homme. Et lorsque nous recevons la parole de Dieu, nous devons savoir se battre chaque jour, chaque temps, pour conserver la vie éternelle. Alléluia. Lorsque nous parlons de la vie chrétienne, nous devons se rendre compte qu'il y a une différence entre un chrétien, parce qu'un chrétien c'est la vie, et quelqu'un qui suit Jésus à cause de quelque chose. Vous comprenez un peu ça? Je vais donner un exemple simple. La Bible m'apprend que Jésus a multiplié les pains. Lorsque Jésus a multiplié les pains, il y avait la foule. Mais toute la foule n'était pas disciple. Alléluia. Lorsque Jésus a multiplié pour la deuxième fois, il y a eu encore la foule. Mais toute la foule n'était pas disciple. Vous allez se rendre compte, pour que, avant que cela arrive, Jésus disait à ses disciples, des disciples réclamaient à Jésus que l'heure commence déjà à avancer. Il est préférable d'envoyer tous ces gens-là dans des villages qui sont aux alentours pour qu'ils trouvent quelque chose à manger et à l'endroit pour dormir. Alléluia. Parce qu'il manquait la nourriture. Et Jésus les a dit, donnez-les vous-même à manger. Alléluia. Et il est important de savoir, si nous sommes enfants de Dieu, si nous sommes chrétiens, le christianisme c'est toute une vie. C'est comme tu es français, c'est comme je suis congolais, c'est comme je suis angolais, c'est comme je suis tchadien. Donc lorsque j'accepte Jésus, ce n'est pas l'éphémère. L'éphémère veut dire, je commence aujourd'hui, j'arrête demain. Alléluia. Lorsqu'on accepte Jésus-Christ, cela veut dire, je lui ai accepté aujourd'hui jusqu'à la fin, que je puisse le voir Jésus tel qu'il est. Alléluia. Et il est important pour l'église de Dieu. Une église qui pense qu'à l'éphémère ne verra pas Jésus. Une église qui pense qu'à ce qui est fragile, des choses qui vont passer, parce que ma Bible me dit, tout passera, mais la parole ne passera jamais. Nous devons se rendre compte, nous devons être une église de distinction. Cela veut dire, si les autres vont négliger la vie éternelle, si les autres vont s'attacher à ce qui est fragile, éphémère, nous plutôt chercher ce qui est permanent. Alléluia. Je précise cette différence-là parce que ça va nous aider aujourd'hui. Cela veut dire, lorsque quelqu'un veut la guérison, quelqu'un peut vouloir la guérison sans pourtant être chrétien. Alléluia. Vous allez voir, il y a plusieurs cas dans la Bible. Jésus a même délivré un démoniaque qui n'a pas crié. Il était inconscient. Il ne pouvait ni prendre sa conscience, ni penser à quelque chose. Mais lorsque Jésus a rencontré avec cette personne-là qui était possédée, la Bible dit que les esprits qui étaient en lui ont réagi. Alléluia. Mais le plus important, lorsque vous entrez, nous mettons nos pieds dans cet endroit, dans cette église, que la vie chrétienne soit réellement notre vie. Que ce soit notre nationalité. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Que ce soit vraiment notre nationalité. Qu'on ne soit pas chrétien des circonstances. Parce qu'aujourd'hui, des enfants de Dieu nous font peur. Je te vois enfant de Dieu à l'église. Mais je me pose la question, si je te trouve à la fête qui était hier, qui tu étais réellement? Alléluia. Mais je me pose la question, nous devons savoir une chose. Une chose est vraie, si nous sommes enfants de Dieu, notre vie chrétienne doit être permanente. Ne soyons pas des gens de l'église. Un jour j'ai failli m'enterrer. C'est ce qui m'a fait dégoûter des fêtes. Mais excuse-moi, j'étais dans ton fête, mais je ne peux pas rester trop longtemps. Je ne voulais pas être humilié. Des enfants de Dieu que je vous vois à l'église, mais lorsque quelque chose de chaud vient, qu'est-ce que vous êtes? Vous devenez quoi au juste? Alléluia. Nous devons savoir une chose. Il y a l'éphémère. Il y a le permanent. Il y a le fragile. Mais je n'accepterai pas un enfant de Dieu qui reçoit la parole de Dieu, qui puisse aller en enfer à cause de l'éphémère. Ah, je croyais que tu allais dire amen. J'ai pensé. Il y a des fois, on prend soin de notre corps. Mais on oublie. Le plus important, ce n'est pas ton corps. Le plus important, c'est la contenu. Ah, je croyais quelqu'un dire amen. Le plus important, c'est la contenu. Laisse-moi te dire, si je meurs aujourd'hui, mon corps va pourrir. Même si j'avais je ne sais pas quoi,
Même si j'avais les dents en or, mon corps doit pourrir. Les dents ne pourrissent pas, heureusement. Il y a certaines parties de corps aussi, je ne sais pas, des autres, dire un peu plus. Mais laisse-moi te dire une chose. Nous devons savoir que nous sommes des enfants de Dieu. Étant donné que nous le sommes, nous devons être dans les choses qui sont permanentes. Alléluia. Laisse-moi te dire une chose. Il y a des fois, je perds. Tu vas me dire pourquoi je perds. J'ai fait une expérience avec Dieu. Si on n'aime pas vraiment Dieu, si on n'est pas vraiment attaché à Dieu, on va être dans l'éphémère, plus dans l'éphémère. Cela veut dire quoi? Si quelqu'un connaît que moi, comme je suis là, Dieu a mis une grâce, que Dieu peut guérir ta maladie à travers moi. Tu ne vas pas m'aimer, mais tu vas m'approcher pour que ta maladie finisse. Alléluia. Imaginez que j'ai parlé avec le monde, pasteur. Jusqu'au Japon. Quelqu'un te donne des détails. Je suis la femme de l'ambassadeur. Tout ce qu'elle désire. On ne t'appelle pas pour que la perle le permanent. Pour l'éphémère. Comme je disais que la maladie, ça a été choquant la fois dernière. Un médecin peut guérir aussi maladie. Parce que ma Bible me dit que Dieu a choisi tout un tribut pour leur donner la connaissance des sciences. De fabriquer, d'inventer. C'est Dieu qui a fait ça. Ce n'est pas le diable. C'est la Bible qui dit ça. Je pense dans Lévitique, si je n'oublie pas. Dieu a donné tout un, a pris un, tout un tribut. Lévite était là pour servir Dieu. J'oublie les tribus. Mais il y avait tout un tribut que Dieu a donné la sagesse, la connaissance. La connaissance de fabriquer ces micros. Alléluia. Mais c'est juste une connaissance. Mais laisse-moi te dire, le plus important dans notre vie, c'est guérir notre âme. C'est pour cela que j'ai dit, lorsque j'ai accepté Jésus, c'est comme si, à part la vie éternelle, pour l'instant, ce que je dois faire, c'est je dois que l'adorer. Alléluia. Amen. Je dois que l'adorer. Comme je disais, qu'une maladie peut être guérie par un ovalgine. Quelqu'un n'a jamais vu ça? Alléluia. J'apprends une chose, laisse-moi t'apprendre, j'aimerais que tu comprennes. En Afrique, j'ai vu des familles pauvres. Mais il n'y a personne qui est mort dans cette famille-là. Hein? J'ai vu des familles très pauvres. J'ai parlé même à quelqu'un, j'ai dit, je connaissais une référence de famille. Aujourd'hui, ils sont devenus grands. J'ai dit, même lorsqu'ils étaient enfants, quand on regardait ces enfants-là, on disait, ben c'est pas possible. Nous tous, on était enfants. Mais leur référence, même leur maison était inachevée. Jusqu'à ce qu'ils sont devenus grands. Lorsqu'ils ont commencé à devenir jeunes, ils étaient même gênés pour monter leur maison. Mais laisse-moi te dire, ils ne connaissaient pas Dieu. Dieu protégeait ces gens-là. Laisse-moi te dire, s'il faut parler de la protection, de la santé, de la guérison charnelle, Dieu donne, Dieu fait grâce à qui il veut. Amen. Alléluia. Il peut le faire à un païen. C'est pour cela que cette église doit savoir, dans la vie chrétienne, il ne faut pas s'attacher dans les choses qui sont éphémères. Des gens qui ont réussi la guérison auprès de Jésus, c'est les mêmes personnes devant Barnabas qui ont nié Jésus-Christ. La vie chrétienne veut dire, je ne dois jamais nier Jésus-Christ. Je l'ai accepté jusqu'à ma mort. Je l'ai accepté jusqu'à ce que je vais le voir tel qu'il est. Alléluia. Éphémère et spirituel. Aujourd'hui, nous allons lire, commencer par Luc. Luc chapitre 23. Luc chapitre 23, nous allons lire les versets 39 à 43. J'ai lu au nom de Jésus. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Mais il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans les paradis. » Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la parole de Dieu? La lecture que nous venons de lire nous apprend, Jésus était déjà à la croix. Jésus était déjà à la croix. À la croix, il n'était pas seul. Il était à la croix avec des brigands. Et si je réfléchis à ma manière, à la manière de l'Église aujourd'hui,
Je dirais que l'autre aussi n'avait pas tort. Alléluia. Parce qu'il était cloué avec des brigands. Et avec ces deux brigands, l'autre disait, l'autre a dit, écoutez, sauve-nous, tu te sauves aussi. Sauve-nous. Tu te sauves aussi. Et l'autre a agi en disant, écoutez, ce que nous sommes devenus sur la croix, nous attendons la mort, c'est notre justice, nous méritons cela parce qu'on était mauvais. C'était un débat entre deux brigands. L'autre demandait d'être sauvé. C'était normal. À ce moment-là, il restait quelques temps, quelques minutes pour qu'il meure. Et il a peiné qu'il était cloué à la croix avec quelqu'un qui est supérieur. Il est le fils de Dieu. Que dois-je demander si c'était moi, si c'était toi? Dans tes problèmes, dans ta maladie, qu'est-ce que tu demandes? Qu'est-ce que tu attaches? Il y a même des gens qui voient que sa santé, tu seras guéri, tu vas aller en enfer. Tu vas être guéri et partir en enfer. Laisse-moi te dire, lui aussi, il voulait sauver son corps, mais il ne voulait pas sauver son âme. Et lorsque nous parlons des permanents, des choses permanentes nous aident, nous aident, à, non pas à sauver notre corps, mais à sauver d'abord notre âme. Cet homme a réagi en disant, écoutez, nous méritons, nous avons commis des mauvaises choses, étant donné que nous avons commis des mauvaises choses, nous méritons aussi la mort. Et Jésus, lorsque Jésus a réagi, Jésus lui a dit, en vérité, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la parole de Dieu? J'aimerais qu'on puisse comprendre cette lecture. Jésus était venu pour sauver, n'est-ce pas? Et ce que l'autre brigand demandait, qu'il soit quoi? Mais il voulait être sauvé de quoi? Laisse-moi te dire une chose. Si tu veux être sauvé d'éphémère, tu seras sauvé aujourd'hui, tu mourras demain. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, même Lazare, que Dieu, Jésus l'a ressuscité. Après, Lazare était encore mort. Alléluia. Amen. La veuve de Naïm, son enfant qui a retrouvé la vie, après son âge, même à 120 ans, même à 900 ans, tu vas mourir. La Bible dit, il est donné aux hommes de mourir qu'une seule fois, après il revient le jugement. Et cet homme ne pensait pas, l'autre savait, nous méritons, c'est notre jugement. La terre peut te juger, le ciel aussi peut te juger. Alléluia. Et si l'église ne comprend pas, nous allons être une forme d'église. J'aimerais répondre à cette chance. Pourquoi nous prions pas là-bas? Parce que nous sommes différents. Nous croyons que la parole de Dieu doit être décortiquée dans toute sa sincérité. Nous croyons que nous, les enfants de Dieu, nous ne devons pas s'attacher aux choses éphémères ou les choses fragiles, mais des choses permanentes. Et lorsque nous avons des choses permanentes, notre vie sera différente. Ce n'est pas le nombre qui compte, mais notre façon, notre manière de chercher Dieu, de chercher la vie éternelle, fera la différence aux autres. La Bible dit, beaucoup vont servir Jésus, mais ils nous diront, je ne vous connaissais pas. Est-ce que c'est la meilleure parole qu'on peut dire à quelqu'un qui a prié, à quelqu'un qui a gêné, à quelqu'un qui a été guéri par Jésus? La meilleure parole pour un enfant de Dieu, dire que je te connais, je te reçois, maintenant c'est le temps de se reposer. Parce que la vie ici-bas est tellement courte. Laisse-moi revenir encore. Tellement que nous aimons des choses éphémères. Jésus a 33 ans, pourquoi aller à la croix? Alléluia. Et Pierre voulait résister à cela. Il disait qu'écoutez, lorsque Jésus a dit mon heure est arrivée, Pierre voulait résister à cela. Il dit que maître, cela ne lui n'arrivera jamais. Et qu'est-ce que Jésus lui a répondu? Alléluia, berger, que Dieu te bénisse. Qu'est-ce que Jésus a répondu? Jésus a dit, arrière de moi, Satan, la vie terrestre est éphémère. Et si un enfant de Dieu s'attache à la vie éphémère, et la vie terrestre, c'est-à-dire tu ne penseras jamais à la vie éternelle. Lorsqu'on te parlera de la prospérité, tu diras gloire au Seigneur. Oh, lorsqu'on te dira, tu deviendras riche, tu vas aimer ça plus que tout. Mais aimer d'abord, cherchons d'abord le royaume des cieux et sa justice.
Est-ce que c'est moi qui l'ai dit? Parce que si lui-même, la Bible nous dit, si la parole de Dieu nous dit, cherchez d'abord, comment nous pouvons chercher de faire le contraire? Alléluia. Et ce brigand voulait seulement sauver son corps. Laisse-moi te dire, si tu veux seulement sauver ton corps, tu vas perdre ta vie. Ta vie va être limitée. Mais le but de Dieu dans la vie chrétienne, lorsque nous sommes chrétiens, lorsque nous acceptons Jésus-Christ, que nous ne nous arrêtons pas ici-bas, mais nous puissions voir Jésus tel qu'il est. Obtenir ce trophée-là de la victoire. La Bible dit, à celui qui vaincra sera vêtu de blanc. Et la Bible dit, son nom ne sera pas effacé dans la livre, dans le livre de vie. Et laisse-moi te dire, c'est pour cela que je disais au départ, dommage à cet homme qui n'a pas eu le temps d'adorer comme toi et moi. Il a réussi à la croix et quelques minutes, il est parti au paradis. Mais toi et moi, Dieu nous donne l'accès de l'adorer. C'est pas moi. La Bible dit, tous ceux qui respirent glorifie le nom de l'Éternel. Pour l'unité, pourquoi ne pas glorifier Dieu? Alléluia. Nous allons savoir, il y a des choses permanentes. Dans des choses permanentes, les trois dons ne doivent jamais quitter notre vie. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 13. Verset 13. 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 13. J'ai lu au nom de Jésus. Mais non dans ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire gloire au Seigneur? Maintenant donc, ces trois choses doivent demeurer dans votre vie. La foi, l'espérance. Mais le plus grand de ces choses, c'est la charité. Comment voulez-vous dire que nous sommes chrétiens, mais avoir la difficulté d'aimer quelqu'un, d'aimer ton prochain? Nous parlons de la foi, nous oublions la charité. Mais les choses permanentes dans la vie chrétienne doivent demeurer toujours. La foi, l'espérance, les plus grandes de ces choses, la charité. Une église qui n'a pas la foi, c'est une église morte. Une église qui n'espère pas. Qui sait qu'il y a des choses permanentes qui existent pour ma vie. Il y a des choses qui doivent demeurer dans ma vie. Je dois rester, s'accrocher. Tant que je n'ai pas réussi, je ne lâcherai pas. Et si nous avons saisi cela, si nous avons l'amour. Vous savez, quand on parle de l'amour, j'aime bien l'amour. Pourquoi? L'amour ne fait pas du mal. Quelqu'un ne viendra jamais ici dire que s'il y a l'amour, qu'on m'a fait du mal. Parce que l'amour ne le fait pas. Parce que l'amour, c'est Dieu lui-même. Donc Dieu a plusieurs noms. Et parmi ces noms-là, c'est l'amour. Alléluia. Je suis vraiment désolé. Parce que vous voulez aller plus. Mais nous devons aussi l'adorer. L'une chose, je vais clôturer par cette terre. Les choses invisibles sont très importantes. Lorsqu'on est chrétien, Dieu nous donne aussi les choses invisibles. Alléluia. Net aux huit et aux huit. Ah, je croyais que tu allais dire amen. Tu viens, tu pis. Tu sors ici, tu ressens rien. Mais tu as réussi. Parce que les hommes ont tendance à voir d'abord trembler. La première chose que Dieu nous donne invisible, c'est la parole. Mais il était au commencement. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. Alléluia. Et laisse-moi te dire, cette nature-là, Dieu nous donne des choses invisibles. Lorsqu'on est chrétien, reçoit d'abord des choses invisibles. T'as pas besoin, parce que déjà, c'est mal le spectacle. Et quand on vient, on prie comme ça. Si je dis, laisse-moi vous dire, si on dit, on commence à faire le spectacle, même nos vidéos sur YouTube, les gens vont regarder plus. Parce que l'homme croit et voit. Mais ma Bible me dit, heureux celui qui n'a pas vu qui a crié. J'ai déjà dit oui, je suis devenu un enfant de Dieu. Voir ou pas, ça ne changera rien dans ma vie. Voir ou pas, ça ne changera rien dans ma foi. Et j'espère un jour il viendra. Et je le verrai tel qu'il est. Ah, on va continuer. Non, parce que maman, pardon vraiment. C'était imprévu. Mais on devait le rendre gloire. Mais nous devons respecter aussi les temps.
Ne sois pas intimidé. Aujourd'hui, je dis, quand je regarde des vidéos, beaucoup d'enfants de Dieu seront séduits. Comment? Quand ils voient les spectacles, tu ne sais même pas l'origine de cet spectacle-là, tu cours. Oh, c'est que si il y a même des gens qui font le théâtre au Sekou Sabato. Et vous êtes intimidés à cause de ça. L'espérance doit rester toujours là. La Bible dit, celui qui espère à l'Éternel ne sera pas confondu, ne sera pas confus. Tu seras là toujours. Peu importe le temps de réalité, tu ne pourras jamais abandonner parce que tu espères à l'Éternel. Que Dieu bénisse la parole de Dieu. Parce que maman gloire...